Et salut tout le monde, c'est Immortal71 Camille. On se retrouve aujourd'hui pour un contrat à la une du mois d'octobre dans Hitman. Il s'intitule Black Magic Marksman. On a 5 cibles à tuer au fusil de précision tout en étant déguisé en magicien vampire. Donc ce déguisement se trouve dans le grenier. J'ai d'ailleurs choisi ce point d'entrée. La différence, c'est qu'il faut quand même que je traverse le grenier pour aller jusqu'au déguisement et au fusil de précision que j'ai caché aussi là. Donc, dans mon inventaire, j'ai un marteau arrache-clou afin de faire diversion, mais je vais récupérer des objets supplémentaires. J'ai le silver bowler de l'ICA et une pièce de monnaie. Voilà. Donc d'ailleurs, ce que je vais faire d'entrée, c'est que je vais neutraliser cette première cible parce que je vais faire en sorte de la mettre en vue. Parce que en fait, si vous voulez, cette victime là, je pourrais éventuellement... Voilà, c'est pas mal là. Je pourrais, si vous voulez, tirer depuis le haut. Je pourrais tirer dans les carreaux, par exemple, de cette fenêtre là ou celle-ci. Et lui, du coup, bah, comme il est posté là, il va entendre le carreau se casser. Et il va arriver ici. J'ai plus qu'à le sniper au fusil de précision. Mais là, j'ai envie de prendre mon temps, de vous proposer une autre... en fait, une autre façon de jouer. J'ai pas envie de faire un run sur ce contrat là. Voilà. Normalement, si tout va bien, ça devrait pas du tout altérer mon score final. Il s'est fait tirer dessus, certes, il s'en est rendu compte, mais je l'ai assommé. Donc, il n'a pas vu qui c'était. Normalement, je devrais pas être embêté. Donc, si j'ai fait ça, c'est éventuellement pour repasser par là plus tard. Je vais voir. Voilà, comme ça, j'ai assez d'items. Ce qu'on va faire, c'est que lui, tiens d'ailleurs, de toute façon il va mourir, il a plus besoin d'être habillé. Donc même en tant qu'agent de sa sécurité, j'ai pas le droit d'être là, mais bon, c'est pas grave ça. Eux, c'est pareil, je vais les neutraliser afin d'être tranquille. Bon, c'est vrai que je pourrais passer. On peut aussi, balancer quelque chose pour les attirer. Ils vont vers l'objet, puis nous, on peut passer dans leur dos tranquille. Je pourrais faire ça. Voilà. Donc ça c'est bon, lui c'est pareil, on va le cacher. Son copain derrière, on va le cacher aussi. Donc par contre, et je vais récupérer le fusil qu'il a laissé. Voilà. Est-ce que c'est la même arme?
Même pas. Oh. Incroyable ça. De toute façon, on n'en aura pas besoin. Où est-ce qu'il est au fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah non, mais je l'ai déjà caché. Bon, voilà. Je sais pas pourquoi je pensais que je l'avais laissé. Voilà. Donc ils m'ont pas vu, ça c'est pas mal. Donc là. Donc en fait, pour vous expliquer un petit peu, il paraît qu'il y a plusieurs méthodes pour faire tous les contrats en général, tout comme les niveaux principaux dans Hitman. Il y a toujours plusieurs façons de faire. Alors, je pourrais très bien procéder ainsi. Tirer sur la. Pff, attendez, je vais me servir du fusil de précision pour vous expliquer. Bon, évidemment, par contre, il faut être habillé comme ça. Voilà. Mais comme je vais repartir dehors, je me remets comme ça. Voilà. Donc, je pourrais très bien procéder ainsi, c'est-à-dire tirer sur cette limousine là. Ça va attirer ce petit bonhomme et je le tue. Ensuite, je peux, pour celui-ci, où est-ce qu'il est lui? Pour celui-ci qui d'ailleurs il a tendance à se promener un petit peu. Pour celui-ci, je peux tirer là-bas. Voilà. Et donc forcément, bah, il arrive vers la voiture, je lui tire dessus. Voilà. Ensuite. Bon, alors le problème c'est qu'on a aussi le caméraman et la journaliste qui sont là. Donc c'est vrai qu'il faut quand même faire attention. Et donc bon bah lui c'est pareil. Je crois qu'il peut être attiré éventuellement, bah, soit par la voiture blanche qu'on peut tirer dedans ou la voiture là-bas. J'aurais déjà attiré celui-ci, donc du coup on peut buter les deux l'un après l'autre. Pour ce qui est de lui, bah on peut tirer. En fait, si je dis pas trop de bêtises, plutôt sur celle-ci. Voilà. Mais ça, à la rigueur, bon, comme j'ai fait des petites choses en début de mission, voilà, il vaut mieux faire ça quand la journaliste et le caméraman ne sont pas là. Bon. Bon, quoi qu'il en soit, je vous ai expliqué une manière de faire que je montrerai peut-être, je dis bien peut-être plus tard, pour faire un run, parce que c'est un contrat très intéressant. Bon, le fusil là d'ailleurs, attends, j'en ai peut-être pas besoin. Donc, ce que je vais faire, pour déjà vous montrer un meurtre de fait, attends. Ah, quand même, peut-être pas gaspiller les balles quand même. Voilà. Je vais déjà vous montrer un meurtre. Voilà. Donc, de toute façon, le sniper, on va le laisser. On va le laisser ici. Donc je me remets en garde. Voilà. Qu'est-ce que je fais moi? Voilà. Donc en fait, moi ce que je vais faire. Man, thought I heard.
Voilà. Donc du coup, je vais repasser par là. Je vais repasser par là et moi, ce que je vous propose, c'est que je vais tous les neutraliser. En fait. Voilà, un petit item en plus. Plutôt pas mal. Ben, je crois que il n'y en a pas un par là. Je vais aller chercher. Je vais en profiter en même temps. Oui, quoi, mais. Voilà. Hop. Tac. Je vais aller chercher en fait le pass pour sortir par derrière. Le voilà. Tac. Voilà, ça c'est pas mal. Oh, je vais passer par là. Je vais passer par là déjà pour être dehors. Voilà. Non. Voilà, j'en attire déjà un. Normalement, eux, comme ils sont trop loin. Bah, il me voyait pas. Voilà. Alors, c'est pareil. On va peut-être attirer celui-ci aussi. Voilà. Ça va, bah je suis content parce que eux, ils sont passés la top model et puis ils sont. Donc ça c'est bon, normalement ils vont pas me voir. Normalement, hein. Voilà. C'est pareil, je vais peut-être aller là-bas en profiter pour ouvrir la porte. Oh la vache, mais dis-donc. Voyons, qu'est-ce qui marche lentement, c'est fou lui, hein. Alors elle c'est pareil, on va se méfier d'elle quand même. On va quand même. Parce qu'en fait après je vais cacher des corps, donc voilà, je préfère l'assommer. Ça va être certes un petit peu long, mais
c'est une autre façon de faire le contrat et ça me plaisait de vous y montrer en fait. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fout là lui? Sérieux? Qu'est-ce qu'il fout là lui? Ah, c'est pas vrai! C'est pas possible ça, pourquoi il fait une demi-tour comme ça? J'ai pas le souvenir qu'il revient ici lui. Ouais, quand je vous dis que les mecs sont imprévisibles, il valait mieux s'occuper de son cas, crétin. Je vais quand même aller vérifier. Lui, le problème, c'est qu'il risque de m'entendre d'attirer la journaliste, donc. Voilà. Alors certes, vous verrez des contrats beaucoup plus courts que celui-ci, hein. Il y a des mecs qui font je veux dire, en 3 minutes ce contrat. Moi, je mettrais peut-être une demi-heure pour le faire, mais j'avais envie de proposer cette approche parce qu'en fait, donc, histoire de montrer que tout le monde ne fait pas pareil et qu'il y a plusieurs façons de faire pour remplir un contrat de Hitman. Le mec qui est neutralisé là-bas, je vais donc faire pareil avec lui. Avec lui, bon bah l'autre là-bas il est déjà mort, mais bref, je vais tous les neutraliser, les aligner dans le fond, près des voitures et du mur, personne ne les vu. Voilà, tout simplement. Alors certes, il y a une bonne préparation à faire, mais encore une fois, voilà, donc là comme j'ai le passe, je peux repasser par là. Je vais quand même aller vérifier. Pardon, excusez-moi, je suis malade. Et je vais quand même revérifier où se trouve le mannequin. Elle a pas l'air d'être dans les parages, donc c'est bon. Le tuyau, pourquoi pas. Allez. Donc là, ça c'est bon. Donc moi, je vais donc attirer ces cons-là là-bas, histoire d'être tranquille. Alors. Par contre, c'est pareil. Est-ce qu'elle va venir pour une pièce? On devrait l'avoir passée sous la fenêtre. Tu viens ou pas? Donc voilà, ça c'est bon. Personne qui revient. Donc j'espère que personne ne viendra. Donc ça c'est bon. Donc on va la mettre. On va la mettre par là, avec les autres.
Donc on va faire pareil, on va la tirer de la même manière que sa copine journaliste. Alors vas-y. Bien, t'as un bon petit. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. Impeccable. Mais je préfère quand même les cacher derrière le comptoir à café parce que j'ai l'impression qu'il y a des PNJ qui ont des fois des meilleures visions que d'autres. Donc voilà. Alors maintenant, on va continuer à attirer certains petit à petit, sauf que lui, le problème, ça va pas être évident. Donc je vais me diriger et encore. Voilà, ça c'est bien. J'ai eu de la chance qu'il me voie pas. Voilà. Du coup, les mecs sont de dos. Hop. Et on le cache avec son pote. Voilà, parce que moi ça m'est arrivé de balancer une pièce pour attirer l'autre là-bas. Et à force de le faire venir, bon bah les mecs là, ils sont attirés aussi. Et donc, pas simple. Donc du coup, eux, on s'en occupe pas. Son collègue, bah non plus, parce que comme c'est lui qui est le plus proche de la droite, c'est lui qui va plutôt réagir. Donc ça c'est bien. C'est même très très bien. Alors. Lui, pour paquet de soucis, je pense qu'on va l'attirer maintenant. Voilà. On va l'attirer maintenant. Everything clear. Donc, ça c'est fait. On va essayer de pas se faire voir. Je regarde quand même. Non, normalement le mec il a pas une vision comme ça, il peut pas les voir dans les angles non plus. Impeccable.
Donc, ce qu'on fait. Là, il n'y a plus personne pour voir, ni là, ni même par la fenêtre. Impeccable, on est tranquille. Voilà. Donc alors maintenant, depuis la fenêtre, est-ce que... Lui, on va peut-être le placer là pour avoir une bonne vue depuis la fenêtre. Je vais peut-être le placer différemment en fait quand même. Ouais, voilà. Donc... Là, normalement, ils sont tous neutralisés. Ils sont tous neutralisés. Voilà. Et voilà. Attends, t'es un peu trop. Voilà. Hop là. Donc c'est parti normalement. Tac, tac, ouais. Ça devrait bien se passer. Puis lui là-bas. Voilà. Donc si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, c'est ça. 1, 2, 3, 4, c'est bon. On est bon. Du coup, je vais remonter par ici. Ouais, c'est ça, ouais. Chester. Notre pauvre ami est déjà mort, rappelez-vous. Hop. Ha. Pensez bien à vous redéguiser. Hop, c'est parti. On retourne vers le déguisement. Encore une fois, je me répète, mais pensez bien à vous habiller en magicien vampire. Voilà.
Impeccable. Voilà. Quatrième cible. J'adore recharger mon arme, c'est très rigolo. Attends, on va tirer déjà dans la fenêtre. Ah bah elle était déjà cassée. Ok, ça marche. Dernière cible. Voilà. Et c'est parti. On peut même partir avec le fusil parce que on a un costume de garde du corps. Donc c'est parfait. Alors, je vais voir si je peux passer par là. Hop, comme ça, c'est parfait. Bah, y a pas de problème, ils vont rien me dire. Et on va pas s'embêter, on va partir tranquillement par l'hélicoptère. Et voilà, contrat terminé. Donc voilà, une grosse demi-heure pour faire le contrat. C'était un choix de ma part pour vous montrer une autre approche en fait où bah voilà on pouvait cleaner la zone et voilà faire traîner les corps comme ça on pouvait tous les tuer en toute sécurité. Donc voilà, peut-être que je proposerai un run sur le contrat, j'en sais rien. En tout cas c'est un excellent contrat ce qui est sûr. Et donc ce que je vous expliquais avec le coup des voitures pour faire sonner les alarmes, bah ça marche assez bien. Par contre, après, en fonction des rondes des gardes, il faut les faire dans un certain ordre. En tout cas, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Donc voilà, une autre approche pour ce contrat. Donc voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo de jeu sur oldschoolgameuniverse.blogspot.fr. Allez, ciao.